Salut et bienvenue sur le stream, j'espère que, que vous allez bien. Euh, moi ça va très très bien, très content de, de partir en stream avec un bureau rangé. Bah, vous, en vrai vous, vous ne voyez pas tant que ça, euh, parce que vous n'avez pas l'envers du décor. Le plus de bordel qu'il y avait c'était ici, voilà. Et, euh, et du coup, quel beau clavier, mais tu ne le vois même pas mon clavier. Mais effectivement il est incroyable, pour ceux qui ont vu mon... Post Instagram ce matin, alors euh, ma femme m'a dit qu'elle trouvait absolument immonde, ce que ce que, évidemment je n'approuve je pas, mais euh, non, mais j'avais envie d'un truc vintage, je sais pas pourquoi, euh, j'avais vraiment envie d'un truc vintage. Et ben bah, figurez-vous que pour trouver un clavier mécanique vintage euh, et azerty, c'est un enfer en vrai. Alors, après, si il y a des styles, mais que j'aimais vraiment pas du tout, mais déjà dans la gamme, il y en avait pas beaucoup. Et c'est le seul... Euh, C'était le style que je voulais. Et, et du coup, euh, j'avoue que j'aurais bien euh, voulu avoir le choix de différents Switch. Là, il n'y avait que de toute façon celui-là en switch raid. Mais, euh, mais c'est pas, pas très grave. Il, il me convient euh, pour l'instant euh, totalement. Je, je réfléchis quand même à prendre un, un repose-poignet. Parce qu'il est assez haut. Euh, donc, euh, je vais voir. Je vais voir l'utilisation. Là, ça fait une petite semaine. Ça se passe bien. Je vais voir comment... À mais en tout cas voilà donc euh, là je suis dans mon bureau qui est repeint euh, en grande partie euh, sauf le sol le bout de sol que vous avez évidemment euh, là bah, le sol n'est pas fait ça viendra plus tard mais, euh, mais en tout cas j'avais beaucoup de trucs bleus rose violet etc euh, voilà des anciens propriétaires ça s'est dégagé tout est noir et blanc et, et donc ça c'est très très cool il est cool le vintage va bien après si un mécanisme si un mécanisme tu bouges les touches et change, sur un mécanique, tu changes les touches et la langue. En vrai, pas tant que ça. Parce que le truc, c'est que oui, d'accord, sur les, sur les touches euh, a, euh, a, Z, euh, etc. Oui, tu changes, les, tu changes les touches et ça marche. Sauf que sur toutes, tous les claviers spéciaux, bah, toutes les touches spéciales avec les caractères spéciaux, euh, ça ne marche pas comme ça. Parce que ce ne pas les mêmes combinaisons. Donc, euh, donc après, il euh, y en a assez... Enfin, soit il faut que tu changes vraiment, bah, que tu rachètes un set de touches, etc. Euh, J'avoue que ça me faisait chier, j'avais pas envie de ça donc, euh, donc voilà. Là, c est, c est, ça me va très très bien. Et euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de blabla. Si, avant de, avant de lancer, Unity vient de finir de se lancer donc on va pouvoir y aller. Mais avant, je voulais euh, remercier vite fait Tony137100 euh, pour le follow. Merci Letch31, merci Nevroselia et merci Mortexo10 pour le follow. Euh, et puis maintenant on va on va y aller. Je vais mettre pas mal dans la gueule, mais je sais pas trop. Essaye de trouver un setup light euh, un peu correct, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ça viendra. Hop. Et par contre on va pouvoir switcher et partir sur Yes Unity. Alors euh, la semaine dernière j'étais vraiment en rush de fou et je crois que je vous ai fait qu'une heure de stream. Et c'était à peine une heure je crois, c'était peut-être même 40 minutes, je sais plus. Donc euh, je me souviens plus exactement de tout ce qu'on a fait. Il y a des trucs dont je me souviens, je me souviens que j'avais un problème avec la petite pièce qui n'apparaissait pas. Est-ce que c'est toujours le cas C'est une bonne question. Bon non, euh, la pièce apparaît très bien. Donc qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois Ça en avait. Ah tiens, j'ai un problème de... Mes jambes passent derrière la toile. Bon, ça, on a toujours le même son. Ah, oui, on avait fait ça. Donc là, si, boum. Voilà, en fait, il bouge, il se retourne. Voilà, donc ça, c'est ça qui a changé. C'était, euh, on travaillait sur ça et j'avais galéré. Je sais plus pourquoi, est-ce que j'avais galéré quand même à. Aïe. Ça, ça marche pas mal, hein. Voilà, c'est ça qu'on aime. Voilà. Là, normalement, je meurs, mais en vrai, j'ai pas implémenté le. Truc de fin. Euh... Ok. Et eh bien. Et eh bien, et eh bien, et eh bien. Je pense qu'on va on va, on va. Aïe. On va l'animer. C'est ce que je voulais faire la semaine dernière. Du coup, j'ai pas eu le temps de tout faire. Mais... Euh... Alors là, c'est pareil, aujourd'hui, on fera qu'une heure et demie, je pense que je vais m'arrêter vers 13h30. Euh... Mais donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'animer un peu les pieds de notre bloc. Parce que là, il marche, ça fait vraiment... Euh... Ah, ça il glisse quoi. Il marche même pas, il glisse. Donc, qu'est-ce qu'on avait dans notre animateur de bloc ouais, Direction gauche-droite, OK. Et c'est tout. Et donc là, moi, j'ai un une animation, mais qui est pour, évidemment, le joueur. Et donc, je vais faire la même pour le bloc. Donc là, je vais faire hop, euh, animation. OK. Ok. Et on va ouvrir Block, qui est donc l'animation controller. Où on n'avait qu'un seul layer, on avait un direction layer. Maintenant. <coughs> Maintenant, on va avoir en plus un... Comment je l'ai appelé sur le joueur Je l'ai appelé le movement layer. Ouais, c'est ça. Movement layer. Donc, on va partir là-dessus. Euh... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oula. Block. Donc là, on rajoute un layer. C'est movement layer. Bon, là, ça va être moins compliqué parce qu'il ne saute jamais le bloc. Il va faire que d'aller de gauche à droite. Pour l'instant, après, il aura des mouvements de bras et des choses comme ça. Mais, mais pour l'instant, ça va juste être ça. Donc. Nope. Euh... Alors. Là, il nous faut notre animation walk. Ok. Euh, et il me faut une animation idle aussi, qui est en fait une animation complètement vide. Euh... Hop. Pour l'instant, elle va être complètement vide, et de toute façon... Pff, de toute façon, est-ce que j'en ai vraiment besoin mais Non, mais il va tout le temps marcher, en fait. Pour l'instant. Ouais, il va tout le temps marcher, donc... Euh... Donc on s'en fout un peu. Euh... Et donc... On va devoir ouvrir notre animation, aller choper... Le bloc, se mettre dans la scène. Voilà. Et donc là, on va prendre les sprites des jambes. Block scale ah oui, non hop walk. Et donc là on va prendre ça. Traîne, euh, non dans les sprites. J'ai dit quoi Quelque de... ouais, mais quelques deux. Ouais quelques deux copies quelques deux. Quelques deux transform, rotation et non, sprite. On va vraiment falloir que je renomme mes sprites parce que là c'est terrible, mais... Hop, voilà. Et donc ici, ici on a donc notre truc. Donc là actuellement si je joue ça, ça ne, ça ne change absolument rien. Et nous, ce qu'on veut c'est... Ah, je sais plus. Ah oui, le joueur, je l'ai pas fait avec une rotation en vrai. Je crois. Ah oui, non, j'ai pas pris le bon axe. Euh... Est-ce que je veux vraiment mettre là Donc ça va jusqu'à une minute. On va se mettre. On va se mettre à 15. Euh, ça va être une rotation autour de Z. Ou c'est moi qui. Ouais, ça. Z. Hop. Ensuite, 0. Et à 45. Très honnêtement, je ne suis pas sûr de moi. Hop. Et on va faire l'inverse pour l'autre. Qui va être donc celle-là. où là, on va faire... Voilà, ouais, j'ai pas du tout pris le bon. On va faire celui-là. Qui va être d'abord comme ça. Ensuite, on revient à zéro. Et... On le lève ici. Donc j'ai pas fait, j'ai pas du tout fait la même animation pour le joueur. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Ça donne quoi Eh, c'est pas si mal. C'est pas si mal en vrai. Qu'est-ce que ça va donner quand il va bouger J'ai envie de voir ça, moi. Euh, alors, il va falloir, par contre... Ah, oui. Non, 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 c'est... Oui. Attendez. Euh, il faut que je reprenne mon animation de block. Et là, il faut que je lui dise... Non. Là non plus. Non, pardon. Block, walk. Et là, il faut que je lui dise loop time. Donc là, il faut qu'il marche tout le temps, en gros. Et du coup, qu'est-ce que ça donnerait ici Alors, bah comme vous le voyez, hein, ça marche super bien. C'est faux. Euh, pourquoi Donc, je l'ai dans mon Animation Controller qui fonctionne. Ah oui, ça, je sais ce que ça doit être. Faut que je regarde comment est configuré mon Animation Controller de player. Lui, il est en Override, c'est le direction. Lui, il est en Override avec un poids à 1 Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, parce que là, en fait, lui, il est en override, mais lui, il va être en override avec un poids à zéro. Voilà. Et là, normalement, on peut avoir quelque chose. Et c'est pas si mal. Vrai de vrai, vraie info, c'est pas si mal. Un peu lent, un peu lent, mais euh, un peu lent et il est un peu. Euh... Pourquoi est-ce qu'il est. Ah ouais, mais parce qu'en fait, ma, ma hitbox globale, enfin ma box collider, elle va pas suffisamment bas. Voilà, et du coup, voilà. Là, il faut vraiment que ça aille, euh, je dirais même euh, là, quoi. Ok. Là, on doit être mieux. Et il faudrait que je, je, je dis quoi J'accélère un peu. Est-ce que je peux juste cliquer sur block et walk Non. C'est donc dans l'animation controller ici. Où là, je peux dire speed. 1.5 Allez, on se le teste. Wow, ouais, bon, bah, euh, très honnêtement, moi, ça me va très bien. Hein. Bon, il a juste une tête euh, vraiment de débile, quoi. Il a vraiment une tête de débile. Mais de toute façon, avec les sprites que j'ai pour l'instant, euh, honnêtement, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Je vais juste les coller au sol, parce que ça me trigger un peu à chaque fois qu'il soit bien au-dessus du sol. Euh, non, mais j'ai mon joueur. Il est où, mon joueur il est où j'en là et voilà ça se voit pas en jeu mais c'est juste euh, je sais pas hop, ah hop. Euh... encore vous ne m'entendez plus vous m'entendez à nouveau et vous me revoyez. Alors, ouais, là c'est mon prochain achat. Ça va être un achat d'urgence. J'ai mon, j'ai un tout petit hub USB que j'ai acheté il y a. Oh, je sais pas, ça l'a faire au moins 6-7 ans. Et euh, il n'était est... il pas incroyable déjà de base. Mais là en plus, maintenant, il se, dé... il se connecte, déconnecte tout le temps. Et évidemment, comme j'ai vraiment pas beaucoup de ports USB sur mon PC de base. J'ai mon micro et tout qui est dessus et c'est la pire idée parce que bah c'est absolument pas stable. Est-ce qu'il me reste de la place là-dessus Il me reste une place là-dessus. J'aurais pu, pu gérer un truc. Bon. On, on, je vais essayer de pas trop faire bouger le PC et puis on va, on va espérer que ça fasse pas trop chier. Euh, ça, ça, donc est-ce que... On avait fait ce truc-là de sauter. Mais ce que j'aurais bien aimé, c'est aussi animer tout simplement ça. Là, parce qu'on a quand même une massue. On a quand même une massue qui est juste. Je ne sais pas si je... à quel point elle est. Euh, Weapon Arm. Donc là, bon, le seul problème étant son point d'ancrage. Et la sprite. Ça, on est d'accord que c'est un problème. Mais euh, je ne sais même pas si le point d'ancrage. Je dois, pouvoir... je dois pouvoir gérer ça. Euh, je dois pouvoir gérer ça. Comment est-ce que... Rename. Qu'est-ce que je cherche Je ne sais même plus ce que je cherche. Voilà. Je veux. Ouvrir l'asset in context or in isolation. Context. Ah oui d'accord. Ouais, peu importe. Donc là, mon problème étant que ma massue, c'est ça son point d'ancrage. Ce qui m'embête un peu. Et en même temps, je suis pas sûr de euh, me rappeler comment est-ce que je peux modifier. Sort point. Non, non. Euh, De comment est-ce que je peux bien modifier le l'axe de, de rotation. Euh, à la limite, ce que je pourrais faire, je sais pas vraiment. Je, je dirais pas que ça, ça serait la bonne, euh, la bonne technique, mais je pourrais créer un GameObject empty. Alors ce serait l'inverse, ce serait ça. Là je l'appellerai rename weapon sprite. Voilà. Et là, ça pourrait être weapon. Non, qu'est-ce que je veux Pas du tout ça que je vais faire, je vais renommer. Voilà, et là c'est Et là, en me débrouillant un peu, je dois pouvoir faire en sorte que mon point d'ancrage de ça en déplaçant ma sprite. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Alors là, il est pas parfait exactement parce que ce que je voudrais c'est C'est à peu près ça comme, euh, comme point de pivot. Honnêtement, là, c'est de la bidouille. Je ne pense vraiment pas que ça soit comme ça qu'on doive qu faire. Pardon. Mais au moins, si je sors. Donc là, si je sors de mon préfab, a priori, tout s'est bien passé. Je vais choper mon player avec weapon. Et là, j'ai bien un axe de rotation qui est ici. Si je tourne ça. Ça marche pas si mal. Est-ce que ça marche pas si mal Moi je dis oui. Je dis oui. Et du coup, je le replace là. Évidemment, on rechangera les sprites et tout. Euh... Mais ouais, ce que j'aimerais bien faire, euh, potentiellement, là, c'est de toute façon, on assemble toujours des trucs et j'ai pas de gros game design en tête, mais c'est potentiellement qu'on commence avec juste, on doit sauter sur la tête des ennemis. Ensuite, on récupère la massue, ce qui nous permet de, pour les petits ennemis, bah, ne pas avoir à sauter, mais éventuellement, pour, pour d'autres ennemis, et bah, justement, euh, voilà, avoir une petite stratégie d'attaque de, 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 à la massue. Donc, ce qu'on peut se faire déjà, c'est une première animation, genre attaque. Ça, clairement, euh... et d'ailleurs, ça, être... ça va être un autre layer. <laughs> J'en peux plus. Je ne sais pas combien je vais en avoir, et, et je sais pas si c'est une bonne pratique, mais. C'est terrible. Euh, donc, je vais, je vais faire. Est-ce que je peux faire ça Alors, Oui, je peux le faire, évidemment, mais c'est que si je déplace les animations, j'ai peur que ça se barre complètement. Donc, pour l'instant, on va les faire petit à petit. Et donc là, l'animation, je vais appeler ça attaque. Ok Je vais appeler ça attaque. Et. Et, 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 et euh, on va ouvrir ça. On va rajouter ça. On va faire bah, attaque layer pour l'instant. Hop. Attaque layer. Euh, je ne sais pas où je vais le placer. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas le mettre à 0. Je vais le mettre à 100. En override. Et je vais venir glisser déposer celle-là. Et alors là pareil il me faudrait une une truc qui s'appelle genre no attack pour dire je ne bouge pas de base d'ailleurs c'est plutôt ça no attack et si ça doit se passer là euh, j'avais fait quoi J'avais fait bool is attacking hop et donc là, on peut faire make transition de là à là. C'est seulement si, évidemment, is attacking... est à trou. Et donc pas d'exit time. Exit time, en gros, c'est que sinon, il attend que euh, l'animation soit finie... Euh, que la condition soit remplie et que l'animation soit finie. Avant de repasser. Ce qu'on qu ne veut pas, nous on veut que... Euh, bah si, en fait. De toute façon, il n'y a rien qui peut la casser. Ah, ouais, mais si, si. Si, 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 en fait. Euh, je veux un exit time. Ah, j'ai été... Eh oui. Là, c'est pas pareil que tout le reste. Quand on s'arrête de marcher, on s'arrête de marcher direct. Mais moi, je veux qu'il finisse son mouvement. Enfin, je pense. Ah, sinon... Ouais, je veux qu'il finisse son mouvement. Parce que sinon, il peut faire vraiment... Euh, ça tout le temps, c'est pas fou. Et là, c'est is attacking false. Ah bah non, mais sinon... Non, non, mais attendez. On revient là, il n'y a pas besoin de conditions. Il vient quand il, a, quand il a fini son attaque. Je pense. On va se le tenter. On va se le tenter. On va se le tenter. Donc là. Attaque. Oui. On sélectionne le player. Hop. On sélectionne bien. Attaque. Et. On va aller choper, et bah, tout simplement, Weapon, le transforme de Weapon, parce qu'on a bien retransformé le pivot, et Rotation. Et donc là, la Rotation qui est effectivement en Z, elle part de là. À 30, elle arrive là. Ah quoi? Euh, Qu'est-ce qui se qu 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 passe-t-il Voilà. Et là, voilà. Ça, ça c'est mon attaque. Alors est-ce que je fais... Parce que là, si on la joue en boucle. Moi, ce que je ferais bien, c'est qu'il attaque plus vite et il revient un peu plus lentement. Voilà, Et évidemment, ça va être beaucoup plus rapide. Là, moi, je, le, je la visualise sur une seconde parce que c'est plus facile. Mais en vrai, euh, on va la jouer. Il faut que je rouvre l'Animator. Et là, en vrai, on va la jouer en x2. Je dirais. Ok. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement quand on va appuyer sur une, la touche espace, par exemple. Euh, est-ce que touche espace c'est vraiment. Oula, pardon. Euh, Est-ce que touche espace c'est un, un bon choix Attendez, je regarde, je regarde si espace n'est pas déjà bindé avec autre chose. Euh, je crois pas, mais ça pourrait être bindé au saut sans qu'on le. Non, Et espace, voilà. Donc ça, moi c'est ma touche haut. Ça, tout ça, ça marche, pas de soucis. Tout ça marche très très bien, sauf. J'ai pas un truc qui passe devant Si. Ah, mais c'est pendant cette animation là. Ok, je sais pourquoi. C'est pas très grave. Ça j'ai compris. Et c'est pour ça que ça passe derrière aussi à ce moment-là. Donc là, moi, ce que je voudrais, c'est quand je fais espace, boum, on passe le is attacking. Donc. Hop. Euh... Unity. Spacebar. Une pute gate key down. Space. Merci. Hop. Hum. J'ai pas ouvert d'éditeur de, de code. Alors voilà, je m'en doutais qu'il allait m'ouvrir dans cette fenêtre. Je vais vous le rafficher juste le temps d'ouvrir le bon projet. Allez Ok Allez Hop là et donc ce qu'on veut ici normalement c'est simplement sur un update fixe update ou pas bon j'ai essayé sur un update Get down, space. Et là, en fait, on va faire exactement ça. Mais. Ça, déjà. Ça, Is attacking. Yes. Ok. Est-ce que juste avec ça, on vient de faire une animation d'attaque Peut-être. Actuellement, qui ne fait rien, puisqu'il n'y a pas de. Il a pas de collision, il n'y a, enfin, y a, y a pas de collision box, il a rien. Oh, je vois qu'il y a absolument un temps où on se régale. Euh, donc ça. Allez. Ouais. Et alors Est-ce qu'on n'est pas bien par contre, ça va pas très loin, il faut que ça aille. Oh là Ah Il neige. Non, non, il neige pas, il pleut. Vraiment de fou. Et comme je dois après me déplacer et tout, aller... me déplacer en vélo, ça va être un plaisir. Donc là, pourquoi est-ce qu'il. On doit pouvoir le voir ici Non, on le voit pas du tout. Là, il reste bloqué sur attaque. Pourquoi on le voit pas d'ailleurs On devrait le. The de Live Link Non, c'est pas ça. D'habitude, on voit ce qui se passe ici, et là on voit absolument rien. Ok, ok. Donc là, on est bloqué là-dessus. As exit Time. Bah, ouais, normalement, euh, attaque, no attaque, euh, et voilà. Et donc, quand il a fini, il se rebarre. Ah oui, mais en fait, il. Ah, mais je sais pourquoi, parce que là, il retourne. En fait, il retourne et il boucle là-dedans. Parce qu'à attacking, il est toujours à trou Mais en même temps. En même temps, je peux pas dire. Transition, attaque, no attack. Add behavior. Non. Ah, comment est-ce que je fais Alors, c'est intéressant. Mon Prime est pas passé, sniff. Et ben, je te, je te confirme qu'il est. Bah, ben tiens, c'est bizarre. Mais il est vraiment pas passé, il est même pas dans mon feed en fait. Je vois euh, abonné depuis 4 mois. Donc, ça, c'est ok, c'est cool. Mais par contre, je vois absolument pas qu'il est passé dans mon feed. Donc, euh, soit il y a un très gros lag sur les trucs Streamlabs veux le dieu des événements. Normalement, j'ai tous mes événements. Hein, mais là, effectivement, il n'est pas passé. Bah En tout cas, merci. Hein. Merci pour le prime. Très cool. Très, très cool. Euh... Alors. J'ai le first qui est apparu. Ouais, ouais, ouais. Non, ben bah ouais, je, je vois ça aussi, du coup. Mais je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi il, il a planté. Ah oh, non, j'ai cru que... Non, c'est bon. Donc, il est passé. Ouais, ouais, il est passé. Merci bien. Je te, je te jouerai une émote euh, si, si, si je pouvais. <laughs> euh, donc, ce que je veux voir, c'est euh, Unity. Euh, set parameter when oh là, animation finished. Voilà, oh finished. At the end of an animation. C'est exactement ça que je veux. On va refocuser ce cas par using trigger triggers instead of booleans. Ah! Ah, from particular scripts. Oui, donc c'est ça en fait. En gros, il faudrait que je crée une méthode. Moi, bon, je peux faire ça. Hein. Ah mais oui, je pourrais faire ça. Ouais, je je l'active une fois. Je pourrais faire ça, je pense, ici. En fait, là, il faut quand même que je sache, parce que c'est bien de jouer avec les animes, mais il faut quand même que je sache s'il est en train d'attaquer ou pas. Event Bull Attack, égale. False. Hop, donc là en gros je dis this point égale true, et là je fais else this point égale false, comme ça je l'ai qu'une fois, et là je fais else if not. This point attacked. Ah non, pardon. Euh, si this.attact, alors this.attact égale false. Normalement, le trigger a le temps de se déclencher entre les deux frames. Normalement. Et ça devrait l'arrêter. Ah. Euh, J'ai des de compile. Left-hand side must be a viable property of in index. Euh, 55. Ah, j'ai mis égal. Oui, oui, ok. Après ça fait 10 ans que... ça fait que 10 ans que je fais du code, hein, donc euh, des erreurs comme ça, c'est encore acceptable. On va... Je pourrais presque le faire passer sur le dos de mon clavier mécanique euh, auquel je suis pas habitué, mais... Mais je, pas, je suis même pas juste. Euh, juste con sur ce coup-là. Allez. Ouais. Ok. Euh, merci. Ouais, ça marche, ça marche hyper bien honnêtement. Ah mais non, mais c'est moi qui suis, suis con. Ouais et vice point. Ouais ouais non mais là là c'est moi. Là c'est vraiment moi. Hop là. Et si je reset pas l'anime, c'est sûr que ça ne va rien faire quoi. Je sais pas, genre, une frame... Oh là, pardon. Ok. Ah ouais, c'est pas assez long du tout. Euh, c'est pas assez long mmh. non, mais je pense que ça va être ça que ça va être ça en fait, ok. Alors, qu'est-ce qu'est ce que ça peut être comme euh, là Là, attaque à behavior new script. Mais non, mais je sais que je voudrais pas un new script. Moi, à moi, il parle d'event ou alors c'est là. Mmh. Oui Non. Pas du tout. Ou alors, faut que j'aille... dans l'animation Non. In the state of animation. It's an event. Animation event when animation finished. Go through links below. Ouais. Use blending between animation, your event may never be triggered. Use state. So you don't... Eh bah oui, bah, bah, nickel ça! Mais ça se trouve, il y a juste un truc euh, que j'ai loupé en fait. Play animation once. Oui, non, mais en fait, alors oui. If you've created an animation using an animator window. Loop time. Non, mais d'accord, mais ça. Je ne suis pas en loop time parce qu'en gros, l'animation ne se joue pas. c'est pas qu'elle se joue plusieurs fois, c'est qu'elle est relancée et elle refait une boucle. L'animation elle ne se joue qu'une fois. Set triggers using object. Mais on les déclare où les triggers Ici. Parce que là. Ah si, trigger. Dis donc. Intro... Incroyable ça. La trigger attaque. Ah mais ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Ça veut dire que là. En fait, je pourrais faire attaque. Et que du coup. Ça on va l'arrêter pour l'instant. Là et donc là, lui, il suggérait de faire Player Animator oh, cette trigger. Ah, mais ben c'est ça en fait. C'est exactement ça qu'il me fallait. Je pense. Je pense que là, j'ai la bonne méthode. Alors là, on peut revenir du coup. Parce que là, honnêtement, voilà. Et là, en fait, cette trigger attaque. Ça me paraît propre comme euh, comme euh, solution. Donc c'est pas mal. Oui, ça, ça, ok. Oui Et ben voilà, mais c'est ça qu'on veut... Par contre, c'est hyper long à se démarrer, non Mais en même temps, je pense que ça vient de... De deux choses. On va ouvrir attaque. Ça, je vais le glisser ici. Et en plus, ici, je vais mettre en speed, genre, au moins 3. Et on devrait être mieux. Quoi Pourquoi me il me fait ça Très bizarre, ça. Speed 3. Euh... Ça, je comprends pas toujours bien le truc encore. Ouais. Ouais. Mmh. Et ensuite... Ensuite, là, quand je... Lui, je le joue, quand je le, je le teste. Sur player. Que je fais ce... Tac. Ah, voilà. Ça, ça me plaît. C'est ça qui doit me jouer. Alors, même, par contre, je voudrais... J'avais dit que ça aille encore plus bas, comme ça je voudrais, ou limite comme ça, limite comme ça c'est pas mal parce que si je vais attaquer des rats, par exemple, boum boum, voilà c'est ça qu'on veut, c'est exactement ça qu'on veut. Et donc là ça, ça marche ou pas quand je fais ça parce que, tout à l'heure je comprends pas pourquoi ça va pas marché. Ok, c'est bon. Il y a quand même. Je comprends pas pourquoi il y a un délai de fou comme ça. Vraiment, il y a un délai d'au moins. Peut-être une demi-seconde. Alors, est-ce que. Est-ce que c'est. Parce qu'il faut que je le mette dans le fixed update. Bah, vraiment, il va vraiment falloir qu'on regarde la doc et qu'on comprenne euh, ce que c'est la différence entre update et fixed update. Hein, parce que là, ça commence à être euh, terrible. Parce que ah, je fais un trigger, normalement ça se lance. Ah, ou alors. Ah, si, mais à tous les coups. Je sais peut-être pourquoi. Je pense que c'est justement ce truc d'enchaînement de... d'animation de... et tout qui pose problème. Parce que. On oui, est d'accord, même chose. Mais là, il veut même rien me laisser faire. Donc. Je pense, très sincèrement, que... Alors... Euh, as... Ah mais attends, as Exit Time. C'est lequel que je peux faire en as Exit Time Celui-là ou pas Oui, c'est celui-là. Et là, en fait, moi, je voudrais... Je suis pas sûr de moi. Très honnêtement, je suis pas sûr de moi. Là en fait, ce que j'ai. Mais oui, mais c'était ça. En gros, là il bouclait. Ah! Ah bah voilà, là en plus on a le truc. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'en gros là, lui il bouclait. Il attendait une seconde. Enfin, je crois. Hein. Il attendait une seconde avant que je puisse euh, attaquer quoi. D'ailleurs c'est encore le cas? Non, ça va. Non, c'est pas mal là. Là, c'est un bon rythme. Là, je suis content, honnêtement. Ok. Eh ben très bien. Hop. Donc, ça c'est cool. Maintenant. Alors, plusieurs choses que je peux faire. Plusieurs choses que je peux faire. Euh, je peux faire disparaître. Je peux faire disparaître la... Enfin, ne pas avoir la massue. Faire en sorte qu'elle... Euh, en sorte qu'elle apparaisse simplement. Euh... J'ai bien envie de me faire ça en vrai. J'ai bien envie de me faire ça. Alors tout. Euh... Ah, c'est pas préfab, c'est dans Sprite. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est... Hop là. Alors pour l'instant, je vais le mettre là, mais... En gros, c'est d'ajouter... Est-ce que je peux faire player et je peux juste ajouter ça Non. Ok. Euh, pas très grave. Il va falloir que je joue mon Photoshop. C'est pas très grave. Donc en gros, là, je vais reprendre. Déjà, je vais, je vais cleaner une vraie massue. Ok. Ça, ça va être la première chose. Je vais cliner la vraie massue et ensuite je vais créer donc, un objet de loot. Comme on l'a créé, on a déjà un loot controller, on va avoir le bruit, on peut avoir une animation, on peut tout avoir pour que bah, la massue elle flotte dans les airs. Je passe dessus, ça la récupère, donc ça active moi le bras qui tient la massue. Et à partir de ce moment-là, on pourra euh, commencer à l'utiliser et je pourrai faire un box collider, etc. etc. Je pense que c'est pas mal. Je pense que là, ça pourrait être, ça pourrait être sympa. C'est pas un énorme boulot. Je pense que ça va bien se faire. Donc, je sais pas pourquoi les amis, mais quand je suis en stream, j'ai un coup de barre. Alors, je sais pas parce que si c'est parce que je parle tout le temps, etc. Mais j'ai vraiment un coup de barre et j'ai tout le temps envie de bailler. Ah, ça me, ça me détruit. Ça me détruit. Alors. Euh, bon, faut juste que je retrouve où va se trouver ça. Player, ouais, mais je vais partir de ça, je pense. Je pense que je vais partir de ça. Ok, et donc là, on va faire ça. Euh, non mais Hop. Voilà. On va faire bon, pour l'instant je vais laisser la main même si je vais la dégager après. Ok, <laughs> bon, ça va peut-être pas être si facile de faire un truc euh, propre. <laughs> C'est pas grave. Donc la première étape je dirais. La première étape ça va être de... Quoi Ah faut que je le passe en. Je sais jamais pourquoi les couleurs sont indexées et tout ça, j'ai jamais trop compris, mais... Couleur indexée, RVB. Voilà. C'est bon T'es content Ok. Là, je crée un nouveau calque. Pour... Euh... Je vais choper la couleur, même si ça doit être en noir, il ne doit pas être saturé. Ensuite, on va prendre un pinceau. Bon, évidemment, je fais ça à la souris, hein, donc ça va être... Euh... Ça va être comme ça va être, mais c'est pas grave. Je vais venir en ouais, parce que j'ai des endroits qui sont pas hyper. Ouais. Et donc on va faire ça et on va essayer de recréer une forme de massue. Déjà là normalement il a des trucs comme ça. Ok. Là j'ai l'impression qu'il y a genre un gros pic comme ça. Ouais Ouais Ah mais non mais oui en fait l'ombre Je suis con hein. je sais pourquoi non, est il y a une ombre c'est parce qu'il y a sa tête devant normalement Et oui Et là on va faire comme ça okay. Donc ça c'est ok Donc en fait tous les trucs où il y a euh, du noir et tout là on va enlever Hop, qu'est-ce que je fais Ben oui, non, je sélectionne pas le bon truc. Hop, donc là, tout ça, ça dégage. On reprend une couleur un peu uniforme. Hop, 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 et euh, là. OK, et là. Super, et bah ben, ça ici, remarque. Alors, c'est parfait. On va prendre une couleur à peu près... Ouais, c'est vrai que c'est pas très uniforme du coup. Je vais prendre ça. Je vais refaire notre calque qui va être dessous. Et on va faire du gros gros crayon. Ah ouais, là, là, on voit... là on voit les problèmes de coloration évidemment. C'est pas très grave pour l'instant, mais on va essayer de résoudre ça après. Hop, 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 Ok. Donc, déjà plus petit. Et là, on fait ça. Ok. J'ai vu des trucs aussi, des petits artefacts là. Qui sont sur ce calque là qui sont pas foufou on va essayer de nettoyer ça il y a une espèce de trait de pixel voilà et à ne pas oublier qu'il faut que je vire la main aussi et oui donc euh, là sinon sur ça ce que je voudrais faire c'est hop on se remet un truc comme ça moins de dureté déjà Là, voilà, j'avais l'impression qu'il y avait quand même un truc un peu comme ça. Hop. Un peu comme ça. Là. Voilà. Un peu là. Voilà. Et puis, euh, et puis du coup, bah là, plutôt comme ça. En vrai. Ouais. C'est très local de toute façon. Après, vous allez voir, on va atténuer un peu tout ça. Hein. Hop, hop, ok, ok, et donc là, on va atténuer ça avec une goutte d'eau magique. Est-ce que ça a marché correctement? Ah oui, mais non, si je veux faire ça, il faut que je fusionne. Eh ah oui, euh, plus petit comme ça. Bon, je sais pas si ça va être parfait, mais. On n'a jamais vraiment recherché la perfection euh, jusqu'à ce jour sur le jeu, donc ça va vraiment être. Alors moi là, <laughs> moi là, ça me paraît pas si mal, mais parce que je suis daltonien. Il y a des chances que pour vous, ça soit absolument terrible, mais je ne le saurais sans doute jamais. Donc, euh, est-ce que ouais, mais... ah non, ça c'est vraiment vénère. Ou alors il faut vraiment que la dureté soit. Beaucoup moins grande et que je puisse faire des petits mélanges. C'est pas si bête. C Alors non, là ça va chercher beaucoup trop long par contre. Bon, on va voir. Ok, euh, on reprend. On reprend ça. Ici. Ben non, d'abord le noir. Pour venir faire... Alors j'étais en taille 7. Hop. Donc là, pour venir refaire... Le manche ici, refaire le manche ici. C'est un peu plus large. Ok, ça me paraît pas mal. Il faut enlever ce qu'on a autour. Donc là. Bon, mesdames, si tu nous regardes, n'hésite euh, pas à nous envoyer des, des sprites de massue plutôt. Hein. Franchement, on s'embêtera moins. Euh, je pense que tu seras moins choqué du résultat. Donc, euh, si jamais. Je sais que tu es actif sur Twitter. Si jamais tu passes sur Twitch. Voilà. Franchement, franchement, n'hésite pas. Même n'hésitez pas à lui balancer euh, les replays du stream. Franchement, euh, qu'est-ce qu'on qu qu y perd Qu'il euh, qu fasse fermer la chaîne pour droit d'auteur Peut-être. <laughs> je ne dis pas que ça peut pas arriver. J'espère pas, parce que honnêtement, on fait ça comme euh, un hommage. Il n'y a absolument aucune. Il euh, aucune retombée financière étant donné que euh, cette chaîne rapporte euh, bah, le prime, euh, prime d'Aimdar euh, tous les mois. Voilà. Ce qui fait 3 euros. Ce qui est, ce qui est très bien. Mais hein. je veux dire, euh, bon, voilà. On n'est pas... On euh, ne roule pas sur l'heure avec cette chaîne. Hop. Donc on peut se permettre de faire les trucs qui te pâle. Et là l'idée, ce que j'aimerais bien faire du coup, c'est de reprendre des trucs un peu comme il y a plus haut. Ouais. <laughs> Vous le voyez que je suis pas convaincu ou pas Voilà, on est vraiment sur un truc moche. En fait, ils font pas assez peur, mes trucs. C'est terrible. Voilà. Là, on a l'impression que c'est les. Voilà. Voilà. Là, on a un truc. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Hop. Allez. Hop. Eh bien, les amis, euh, je crois qu'on a. Tant bien que mal, dans un résultat. Euh... Dans, dans un résultat, ok Calmez-vous. On a un truc. Donc, plus qu'à l'enregistrer. Euh... pour il m'embête Il faut que je fasse exportation PNG. On va l'appeler weapon. Hop. Et on va pouvoir venir l'importer ici. Euh... Hop. Il va falloir que j'aille le chercher dans mes fichiers pour le glisser déposer. Alors. La weapon. Viens l'ajouter ici. Et donc là, ce qu'on peut se faire, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Ouais, le blanc autour, c'est terrible. Hein. Honnêtement, le blanc autour, là, il pique les yeux. Parce que je pense que même si je fais ça... Ah oui, il se voit de ouf. Il se voit de ouf. Donc... On refait. Euh, J'ai juste à faire un cadre sombre pour... Euh, pas faire du noir, du 5%, 50% gris. Hop. Ok. C'est tellement chiant. Qu'est-ce que je peux faire pour le. Ah, si, là, vous m'entendez. Bon. On va prier, ok On va vraiment beaucoup prier. Hop. Donc, là, l'idée, c'est de supprimer ça à la gomme. Voilà, parce qu'on adore. On adore les supplices comme ça. Hop et de à un. 2 un, un, Hop, Hello Nouni, bienvenue, comment vas-tu? Hop, t'arrives vraiment sur la partie la plus excitante du stream. Euh, là par contre, ça fait bizarre. Je vais juste lui enlever un peu parce que là, ça fait vraiment. Ouf, ouais, alors... ouais, bon. ouais. Allez, on va dire. Allez, là, ici, et on est parti. Voilà, parfait. Honnêtement, on va pas s'en plaindre. Ah, je vois ça, mais j'ai qu'une petite pause d'une demi-heure. Alors, je fais un passage éclair. Bah écoute, c'est déjà très gentil de, de passer, c'est très cool. Donc, on la remplace. Est-ce que ça remplace automatiquement Je ne pense pas. Hein. Donc, on va supprimer et réimporter ici, et ici. Voilà, et là, on est déjà mieux. Alors, euh, je pense que je vais la faire comme ça, évidemment, la rétrécir. Tac. Il euh, y a un truc que je vais faire aussi, c'est que je vais préparer dans les préfabs, j'ai préparé un truc qui va s'appeler loot. Voilà. Comme ça, quand j'aurai fait mon préfab, ça sera bon. Euh... Weapon, c'est celle-là, oui, c'est celle-là. Ok, là, ce que je pourrais faire, c'est animation. J'ai un truc qui s'appelle Loot normalement, non? Coin, Candle, Block, Apple. Eh ben Apple. Même si le nom est vraiment pas fou, mais je crois que c'est ça. Ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais, je voulais, eh ben lui ajouter, lui ajouter un de déanima... Pas de déanimation, euh, physique de d box collider, en trigger, qui fait. Oui, oui, bah à peu près, ouais. À peu près ce truc-là. Et du coup, un script de loot. De loot, voilà. Hop. Oula. Pas sûr du tout de l'avoir. J'ai pas ajouté à la caméra, genre. Oh, si j'ai fait ça, c'est terrible. Si j'ai fait ça. Euh, remove component. Je m'en doutais qu'il ne fallait pas que je glisse et, et dépose comme ça. Hop. Donc, on voilà, va le glisser déposer plutôt ici. Le type, ça va être Weapon. Hop, là. Et donc, là, qu'est-ce que ça va faire normalement Il va disparaître. Et déjà, normalement, je devrais avoir une petite animation. Je vais le mettre là pour l'instant. De mémoire, en tout cas. Je vais avoir le bruit du sac, je vais avoir la petite animation comme la pomme. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre C'est tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. La pomme, ça fait ça. Et là, tac. Ça, ça me va très bien. Il va simplement falloir que je fasse. Euh, player. où est-ce que c'est player fixed update update coin update life public euh, ça va être void get weapon ok get weapon tout simplement et on va appeler ça depuis le loot controller depuis le loot controller on peut dire ici hop Player script, get weapon. Hop. Évidemment, là, c'est ça. Et donc, là, de base, ça veut dire qu'en gros. Hmm. Je réfléchis à comment je le fais. Je réfléchis à comment je le fais, mais je pense que. Je pense que. Je vais ouvrir mon player. Euh, Prefab. Isolation. Voilà. J'ouvre mon player. Il a bien son script ici. Dans le script, je vais ajouter. Je vais ajouter tout simplement public. Et bon, si c'est public, c'est plus haut. Ici, public game. Ok. Game object. Non, bah non. La classe que je veux. Object, weapon. Ok. Euh, donc là, il devra apparaître ici très rapidement. Oui. Weapon. Je vais glisser ce game object là. De base, je vais... le désactiver je sais pas si ça marche comme ça et là ce que je voudrais faire c'est faire euh... weapon point enabled true pas sûr du tout que ça marche pas sûr du tout que ça marche mais ah, ah j'ai les erreurs de compilation. GameObject does not contain a definition for enabled. Oui, oui, oui. Unity set enabled. Je pense que ça doit être. Euh... Ben non, je ne sais même pas. GameObject.setActive. active. Eh bien, set active. Set active. Non? Oh, calmez-vous! Comment ça, il n'a pas de truc cette active? Ah, oui. Non, ça, c'est moi. Je suis pas habitué à ce qu'il y ait des majuscules partout en hein, C sharp. Ah, Normalement, ça compile. Super. Et donc là. Ouais. Oh oui. Ah oui. Là je dis oui. Je suis désolé, mais oui. Euh, maintenant je vais tester un truc. Alors déjà on va se remettre dans une scène et pas dans le préfab. Hop. Ce que je vais tester c'est là si j'essaye je, d'attaquer. Normalement ça ne change, ça ne fait rien. Mais si j'essaye d'attaquer avec, euh... ouais, il ne se passe rien, vous voyez. Là j'appuie sur espace, il ne se passe rien. Je récupère mon arme et là je peux attaquer. Bon alors là vous voyez toujours par contre que c'est dégueulasse évidemment Mais ça c'est pas très on va s'en occuper Alors là ça ne fait rien hein. ça c'est normal Aïe Il faut que je saute dessus Et c'est pas très bien fait Mais voilà Ok Voilà Formidable Ok Donc Qu'est-ce que je voulais faire euh, Qu'est-ce que je voulais faire Et euh, eh ben si je voulais faire que je voulais, mais attends, est-ce que je vais pouvoir changer facilement Parce que quel enfer Là, j'ai peur de faire une connerie. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est changer cette sprite là. Hmm. Uh -huh. Alors, de mémoire, c'est juste le. Ce qui s'appelle. Ah, c'est un player PSB. Je, je, je suppose. Je suppose. Et du coup. Euh... Voilà. Et là, en fait, ce que je voudrais faire, c'est. C'est mettre ça. Regardez ça. Hop. Juste le mettre en dessous, évidemment. Voilà. Et bon, pour l'instant, euh, de euh, d'effacer tout ça. On fait l'inverse, la, la truc inverse. J'aurais dû le faire tout à l'heure, honnêtement, si j'avais pas été trop con. En l'occurrence, j'ai pas... J'ai pas. J'ai pas pensé. Donc là, en gros... On enlève simplement, voilà c'est la partie un peu plus délicate, on va faire un truc comme ça, ça, ça va pas nous en vouloir. Hop Hop. voilà, là je juste un petit coup comme ça, ok et ensuite euh, évidemment là euh, voilà je peux même faire ça hein. allez ici voilà. hop parfait Là je fais ça, je fusionne les deux. Je remonte le body et la tête. Voilà. Voilà. Et là maintenant, la question que je me pose. Il y a plusieurs questions. Déjà ça, est-ce que je peux le supprimer parce que c'est chiant Eh ah. oui. Euh, mais c'est là, si je le sauvegarde comme ça. Si je le sauvegarde comme ça, est-ce que je vais pouvoir le remettre dans mon jeu et ça updaterait mon truc sans tout péter Ça serait assez fou. Et en même temps, j'y crois que moyennement. J'ai envie d'y croire, mais j'y crois que moyennement. Si je pète tout, c'est reboot. Euh, qu'est-ce que je fais Je peux Il sauvegarder là. Je fais ça et sinon je quitte euh, to Unity très vite. Il me l'a appelé player, hein <laughs> Albatar. Je peux pas. Open. Non mais non mais c'est pas ça. Que je... Oui oui. Oui oui. D'accord. Je peux pas remplacer le sprite. Reimporte? Eh ben non. Qu'est-ce que je peux faire? Import asset, import package. Eh bien, on va aller demander à Google. Unity update psb. Update existing psb file. Sprite. Oui, oui, oui. PSB file, try to it as PSD file. Data should be assist. I'm editing Photoshop and another tool. PSD file, don't show layers on sprite it on just PSB. Doesn't necessarily matter, but it does mess up the generator tree. Mais déjà, elle fait comment pour l'emplacer? That's right, it's all a mouth eyes. But that Don't make the sprite sheet move everything. I lost my. Alright. Um of and make procedure consistent make procedure first do open the psb file c'est actually in unity and save the changes directly in that ah Ah mais ça mais ça m'intéresse. Parce ce que tu veux dire que là quand il l'a ouvert celui-là, c'est pas le même. Et donc que là, je pourrais simplement faire I je je peux bien copier, non Comment on fait déjà pour copier un donc là, ce que je pourrais faire, c'est ça. J'enlève ça. Je remplace par ça. Ici. Il s'appelait calque neuf, bien sans souvenir. Et c'était à peu près comme ça, je crois. Ouais, oh, il était comme ça, quoi, à peu près. Voilà. Là, et donc, euh, te, 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 te je supprime ça. Et ça, je le renomme calque neuf pour être sûr. Attends, mais pourquoi voilà. Calque 9. Hop Et là, oh donc ça déjà, ça, celui-là on l'enlève, parce qu'en fait c'était c'est dupliqué. Là ça donne quoi Ah oui Mais ça ça nous intéresse vachement. Ah, Weapon il a pas aimé par contre là. Weapon Arm. Missing Sprite. Non non mais t'inquiète, la sprite elle est juste... Ah oh, non. Allez. Allez, allez. Ça. C'est bon Ah oui, non mais ça c'est Ah oui, non mais attends, c'est normal, c'est disabled. Ça y a pas de souci. Ok. Ok. Si je le réactive. Ok. Attention les amis, parce que là... Ça commence à, ça commence à faire plaisir. Si ça marche. Mon PSD... psb file, du coup, c'est pas mal. Ça marche plutôt bien. Ok Donc là, j'ai pas d'arme. J'ai une arme. Et boum. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup. Et là, je vous propose qu'on se fasse une petite dinguerie. Là, il reste 12 minutes. On va se faire une dinguerie, ok J'enregistre déjà parce que ça marche très bien. Et ouais, je vais commencer à. Je vais faire un son d'attaque, mais je vais le faire moi, ok parce que j'en ai marre de chercher des sons à chaque fois, etc. Ça me saoule. Donc on va prendre Adobe Audition. Ah, mais par contre, non. Est-ce qu'Adobe Audition, il va pouvoir écouter mon micro en même temps que Streamlabs écoute mon micro? Pas sûr, ça. Est-ce que je peux le balancer dans deux endroits différents? Je crois pas. On va se le tester, mais... Donc là, vous m'entendez toujours. Si moi, je fais simplement, je vais faire fichier audio, on va appeler ça Weapon. Oh, bien joué. Donc là, vous m'entendez toujours. Est-ce que si là je parle, ben les deux, le ciel Et est-ce que si là je parle, formidable. On va pas se, on va pas endurer ça trop longtemps. Je vais juste faire un genre. <laughs> voilà, c'est tout. Et puis, ça va être très bien. Voilà. Je vous avais dit, hein, ça allait être très rapide. Hein. Hop <rire> <rire> ça, me va, ça me va parfaitement. Très honnêtement, je veux rien de plus. Euh, exporter le fichier. Je peux me l'exporter en MP3. Je vous mets le Mp3. On va aller l'exporter. Non on va aller l'exporter, moi bon, je ne vous montre pas mes dossiers comme d'habitude, même s'il n'y a rien vraiment à cacher kit paddle euh, ben non parce que c'est dans le truc Unity donc c'est Unity, ensuite kit paddle et ensuite assets et euh, mince, ressources sound effects voilà. et là, je vais appeler weapon Hop. Ok. Et déjà... Et tac l'enregistrer dans en format compressé. Oui, oui. C'est bon, c'est bon. Hop Donc normalement, on a notre nouveau son. Si je dans ressources, sound. Effect. Weapon. Parfait. Et on va pouvoir aller dans notre sound controller. Ajouter... Euh, un son qui va s'appeler donc là, j'avais appelé ça hit. Là, je vais appeler ça attaque. Oh attaque euh, weapon. Euh, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Hop, et je vais pouvoir le jouer avec mon joueur quand j'attaque tout simplement. Et donc là, euh, où est-ce que je joue un son ici? Ok. Donc là, attaque, super. Et par contre, euh, j'ai pas regardé. C'est lequel la priorité. La priorité, c'est le premier. Et là, en priorité, il est en 1. Euh, 1, ça vient en même temps que. Oui, ça vient au moins au-dessus de woke. Ah, j'ai pas testé Il sauter et de je peux sauter et taper normalement sans le faire exprès normalement je peux le faire enfin, je... c'est prévu pour que je puisse le faire alors par contre là là ce qui va être euh, ce qui va être drôle et ce qui va falloir que je, je change c'est que euh, là je vais pouvoir taper dans le vide et avant ça ne bougeait pas mais là on va entendre le son a priori donc ça ça va être à changer Je pense qu'on va, la... va se laisser sur ça après. Ah non, là il me joue aucun son. Ah Ça ne marche pas du tout. Euh, Est-ce que j'ai détruit dans la console Non. J'ai bien demandé à ce que ça soit attaque, weapon. Attaque, weapon. Là. Play effect, attaque. Ah, ah, mais non, mais c'est pas ça que je veux. Non, je l'ai mis au mauvais endroit. J'ai mis quand on récupère le truc. Pas du tout. Je veux que ça soit quand on bah, attaque justement. Voilà. Donc là, c'est là. Et là, normalement, on devrait avoir. C'est bien. Je pense qu'après, on va s'arrêter là comme ça. La prochaine fois, on pourra gérer bah, la collision avec l'arme, tout simplement. Voilà, voilà, ah oui, ça c'est le plaisir Voilà, voilà, donc là comme je vous disais ah, ça, ça... Les sons sont terribles <laughs> Oh waouh, les sons sont terribles, mais eh bah ben, très honnêtement je suis plutôt content quand même On commence à avoir, euh... on commence à avoir de l'interaction et tout quoi ça ressemble, ça ressemble à un jeu, je suis désolé. On a une interface graphique, du son, de la musique, euh, des animations, des interactions, de l'attaque, de la vie. Non, non, là, ça rigole pas, voilà. <laughs> voilà, non, on le reconnaît, mon. coup Voilà, non? Il y a des petits bugs, il y a des choses. Voilà, il y a des interactions qui se font pas encore, mais. Du coup, là, je peux. Alors, voilà, ce bruit-là, par exemple, il est, il, est, il est absolument horrible, mais. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça le tue pas. Normalement, ça. Allez, voilà. Voilà, 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 les amis, où on en est. Euh... C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, là, le seul truc que je viens juste de penser, c'est que normalement. Euh... Comment vous dire. Normalement, j'ai fait en sorte que ça puisse être sur mobile. Je l'ai pas recompilé sur mobile depuis un petit moment, mais du coup, en fait, quand je compile pour mobile, j'ai un joystick virtuel. Mais là, du coup, il va falloir que je rajoute un bouton virtuel en plus, parce que du coup, maintenant, on peut attaquer, ce qu'on ne pouvait pas faire. Bon, pour le fun, j'allais dire pour le fun, je vais me terminer le niveau, mais je pense que le niveau, la fin du niveau, n'a pas changé de toute façon. Juste pour ceux qui l'auraient pas vu pour l'instant, il y a un petit parcours qui est vraiment très simple. Hop, hein. hop, 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 hop. Non. non bon. Voilà et là c'est la fin du niveau. Ça revient en début évidemment mais... Voilà, voilà, on en est après... Eh bah écoutez, ça doit être la dixième... Euh, C'est quoi C'est le dixième replay Ou le... Non, ça doit être le onzième replay que je vais mettre euh, en ligne sur YouTube. Si on fait une moyenne, j'ai pas fait deux heures à chaque fois. On va dire qu'on qu peut faire une bonne moyenne d'une heure quarante. Ça fait combien ça X 10 Je vais pas le faire de tête, désolé. Mais, euh... ah, mais 1h40, en fait, ça fait 1,6. On dirait 1,6. 311. Ça fait 17,6 heures. Donc 1,6, donc 30 minutes. Quoi. Donc à peu près 17h30. minutes. Voilà, environ, euh, vraiment un calcul euh, un peu pourri. Mais, euh, mais pour arriver à ce résultat-là... Euh, ce qui est pas si mal parce qu'en fait, alors il y a eu pas mal de moments où j'ai un peu bugué, où je pu plus trop faire et tout. Mais ça veut dire que là pour l'instant, on peut arriver à un résultat comme ça dans une game jam. Parce qu'une game jam c'est bon, entre ouais, 48, 48 heures pleines, on va dire. Parce que si tu fais une nuit blanche et que euh, comme tu commences le vendredi soir, on va dire à peu près euh, 48 heures pleines, je pense. Euh, donc ça veut dire que potentiellement tu peux arriver à faire l'équivalent d'un jeu de plateforme comme ça, hein, euh, avec euh, bah, tout du coup, euh, les sprites, les machins euh, euh, le son les animations et tout, sachant que là moi c'est la première, vraiment très honnêtement c'est la première fois où je vais aussi loin dans un jeu 2D euh, fait, euh, fait à la mano et, et tout ça hein, J'ai dans les jeux que j'ai fait avant, il y avait soit pas d'animation, soit les animations marchaient pas euh, très peu de son Etc. Là, on a à peu près tout fait correctement. Il y a beaucoup de choses qui sont réutilisables. Donc, euh, franchement, je suis assez content. Voilà, j'espère que, que vous, ça vous, ça vous plaît. Et que, et que euh, voilà, ça vous apprenez en, en même temps que moi un peu comment tout, euh, tout fonctionne. Vous voyez, par exemple, la petite douille ici, c'est qu'au bah, final, ma massue, ma pomme euh, et mes pièces, c'est quasiment le même objet. C'est une petite animation qui diffère pour les pièces. Et, euh, et c'est simplement que dans le contrôleur, euh, je dis que... Euh, et le contrôleur, je dis que c'est un coin au lieu d'être une weapon, etc. etc. Donc, euh, j'espère que ça vous permet de voir un peu comment est-ce qu'on fonctionne de manière euh, logicielle. Alors évidemment, moi, j'ai pas toujours... J'essaye de faire au mieux, mais j'ai pas toujours les mêmes... Les bonnes méthodes. Et clairement pas forcément les méthodes de, de l'industrie et comment est-ce que les gens font vraiment des jeux avec Unity. Mais je pense qu'on est vraiment pas si loin que ça. Il y a plein d'optimisations qu'on pourrait faire, mais on n'est pas si mal. Donc, euh, donc voilà, en tout cas ça, ça me fait bien plaisir, j'espère que, que ça vous plaît et, euh, et bah, je vais vous dire à très bientôt, à euh, la semaine prochaine, normalement si tout se passe bien. Et euh, en tout cas bah, d'ici là, bonne fin de semaine, bon week-end et puis, euh, et puis bah, à très vite tout simplement. Allez, ciao